Good morgen, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Nishma, le Rabbi Shmuel, ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Isha, Batraim, Nechemia, ainsi que l'Irfoua, Tavamori, ben Reout, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah connectée à sa communauté éternelle, nous étudions la Sechet Zvachim, Perek Yudalef, Mishnah Gimel, Nitaz Minatzavar al Habeged, Eno Taoun Kibus. Mina keren ou mina yesod, eno taoun kibus. Nishpach ala ritzpa va asafo, eno taoun kibus. Eno taoun kibus, el hadam shinit kabel vichli, veraoui la azaya. Nitaz ala or, ad shelo ufshat, eno taoun kibus. Mishu ufshat taoun kibus, divre Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer omer, af mishu ufshat, eno taoun kibus. Eno taoun kibus, el amekom adam, vedavar araoui le kabel touma. Veraoui les kibous. On continue dans cette Mishnah le sujet du sang du korban khatat qui a été éclaboussé sur un vêtement. Deux sujets dans notre Mishnah. Première partie de la Mishnah va être de définir quel type de sang précisément doit être lavé. On l'avait introduit déjà hier avec le pasouk, on va le reprendre aujourd'hui beaucoup plus dans les détails. Ça va être le premier sujet. Et le deuxième sujet va être sur quel type d'objet le sang a-t-il été aspergé ou la Torah imposera de le laver. On commence avec la première partie tout d'abord. Je pense que je vais reprendre le pasouk. Ce sera toujours mieux. Pour vous rappeler, on était dans Vaikra, Perek Vav, Mishnah, Pasouk Raf. Il y avait remarqué là-bas, Kol Asher Iga Bivsara Igdash. Tout ce qui touche, ce qui entrera en contact avec sa viande sera sanctifié. On expliquera, Bezrat Hashem, dans la prochaine Mishnah, qu'est-ce que ça implique. Pour le moment, Vaasher Ize Midama la Beged. Asher Ize Aléa, et aussi l'objet sur lequel, quand du sang de la khatat va éclaboussé, Ize, ça veut dire qu'il va être éclaboussé, ça veut dire qu'il va être aspergé, mais donc de son sang va éclaboussé à la béguette sur un vêtement, Asher Ize Aléa, que ça va éclabousser sur lui, il y a une insistance un peu bizarre, Techabes Memakom Kadosh. Alors le vêtement devrait être lavé. C'est-à-dire, je répète, ce qu'il faut déduire de ce pasouk. On rapporte donc que s'il y a eu du sang, de la khatat, d'accord, j'avais un korban khatat qui se bat au Saïra, je l'ai égorgé, j'ai réceptionné le sang. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une goutte qui a éclaboussé sur le vêtement. Alors la Torah me dit, lorsque le sang éclaboussera sur ton vêtement, lorsqu'il éclaboussera, insistance, tu laveras ton vêtement, bemakom kadosh, dans la Hazara, comme on expliquera aussi dans la prochaine Mishnah, précisément interdit de le sortir en dehors de la Hazara. D'accord? C'est ce qui est écrit. Il y a maintenant une insistance, comme je vous ai dit, un peu lourde. Tu me dis que ça éclaboussera, ça éclaboussera. Chachamim, on déduit de là, non. Un pasouk te dit lorsque du sang éclaboussera, mais quand j'insiste en te disant chérisé Aléa, c'est que c'était un sang qui était apte à être aspergé sur le misbéach. Et de là, ça sort quelque chose d'original, que spécifiquement, le sang du khatat qui était en voie d'arriver sur le misbéach, ce sang-là spécifiquement, lorsqu'il éclabousse sur le vêtement, il faudra laver le vêtement. Tandis que si on n'est plus dans ce cadre-là, par exemple, on a déjà versé le sang du khatat sur le misbéach comme il se doit dans les quatre coins. Tout d'abord, ouais, par exemple. Et bien, si ce sang suite, il éclaboussera, il n'y aura plus besoin de le laver, ben, comme kadosh. Il n'y aura plus cette halakha-là particulière de laver le vêtement, qui est une sorte un peu de purification, que ça ressemble à une purification. Il n'y aura plus cette halakha-là. Pourquoi? Parce que le sang, il a déjà été aspergé sur le misbéach. D'accord? La Mishnah, maintenant, donc, va nous apporter plusieurs significations. Et on commence. Premièrement, Nitaz minatzavar al habeged. Si du sang a éclaboussé du cou de l'animal sur le vêtement. C'est-à-dire, j'explique. On avait déjà parlé qu'il y avait trois niveaux de sang, en fait. Il y a le premier sang lorsqu'on fait la shrita. Après, il y a le sang qui contenait la vitalité, ce qu'on appelle dam atamtzit, il y a dam anefesh. Et en tout cas, le premier sang qui sort lorsqu'on égorge, ce sang-là, il n'est pas apte à monter sur le misbéach. D'accord? La Mishnah m'enseigne maintenant que si ce sang-là a été éclaboussé sur le vêtement, le vêtement n'a pas besoin d'être lavé. Parce que ce n'était pas un sang qui était apte à être aspergé sur le misbéach. Mina keren ou mina yesod. Cette fois-ci, on parle d'une autre situation. On a déjà déposé le sang sur le keren ou encore
sur le Yesod. On va expliquer que c'est même un peu plus que ça, mais pour le moment, on reste proche des mots. Donc, le Kohen, il a pris le sang de la Khatat, il l'a réceptionné dans le Kli, il est monté sur le Kevesh, sur la rampe, il a posé le sang sur les quatre coins du Mizbeach, il a fait le tour de tout le Mizbeach, il a fini, un Kohen arrive derrière lui, se frotte contre le mur, se salit le vêtement. Faut-il laver le vêtement? La Mishnah m'enseigne, non, parce que le sang, il a déjà été aspergé. La Mishnah ne concerne, cette halakha particulière de laver le vêtement ne concerne que le sang qui est en direction d'être aspergé, mais pas qui a déjà été aspergé. Idem aussi, si le sang, alors tel que c'est écrit, si le sang il a récupéré du Yesod, c'est-à-dire, une fois que le Kohen avait fini de déposer le sang dans les quatre coins, il devait redescendre de la rampe et le verser sur le socle du Mizbeach, tout le reste du sang. Tel que ça a porté, on comprend que, une fois que c'était versé sur le socle, il y a quelqu'un qui est venu qui s'est sali avec ce sang. En réalité, le Bartenor, il explique qu'on parle même, le simple fait d'avoir fini d'asperger, de déposer sur les quatre coins du Mizbeach, le sang qui est en direction pour le Yesod n'a plus besoin d'être lavé parce que la capara essentielle a été finie, les quatre coins. D'accord? Nishpar, il y a un point important, j'hésite à le dire pour ne pas alourdir, je l'évoquerai éventuellement à la fin. Nishpar ala ritzpa va à safo. Maintenant, la Mishnah continue et me dit, si toutefois le sang a été versé au sol et qu'il l'a ramassé, enoton kibus, il n'a pas besoin, plus besoin, le vêtement n'a plus besoin de laver. C'est-à-dire, on a le sang de la khatat qui est tombé par terre, et on l'a ramassé dans le kli, dans un ustensile, et bien, si toutefois tu t'éclabousses ton vêtement avec ce sang-là, tu n'auras plus besoin de laver le vêtement. Précision supra-importante, on parle uniquement d'un sang qui n'a jamais été réceptionné dans le kli, dans un ustensile. Je rappelle un petit peu d'alakha du korban khatat, de tous les korbanot en réalité. On avait, comme ça, on avait appris que si j'égorge le korban, je dois réceptionner le sang dans un kli, dans un ustensile. Le kohen doit réceptionner le sang dans un kli et ensuite apporter ce sang sur le misber. Si toutefois, une fois qu'il a réceptionné dans le kli, le sang tombe par terre, si le kohen y va, il le ramasse, le sang est encore cachère pour être aspergé. Donc on ne parle pas de ça dans la Mishnah, on parle de quoi plutôt? On parle qu'il a égorgé l'animal, et il y a eu plein de sang qui a giclé par terre, et après il est parti le ramasser du parterre dans l'ustensile. Alors là, ce sang-là n'est plus apte à être, aspergé, c'est déduit dans Pasouk, mais la karmi d'âme à part, il faut prendre le sang d'âme à part, directement de l'animal, le réceptionner directement. Donc de ce fait, c'est ça qu'on parle dans la Mishnah. Puisque le sang il s'est renversé par terre directement de l'animal, il n'est pas apte à être aspergé. Pas apte à être aspergé, pas de nécessité de laver le vêtement lorsqu'il a éclaboussé sur le vêtement. D'accord? Et la Mishnah a conclu en me disant, mais dans la généralité de tout ce qu'on a lu, Eno taon kibus, ela adam shinit kabel bakli, veraoui la hazaya. Ne nécessite d'être lavé que le sang qui a été réceptionné dans un ustensile et qui est apte à être aspergé. Donc, c'est la raison en fait, comme ça le Bartender explique. Le sang qui est réceptionné dans un ustensile et qui est donc apte à être aspergé. D'accord, c'est clair? On a bien compris. Baruch HaShem. Deuxième sujet de la Mishnah maintenant, on va s'intéresser à quel type d'objet, sur quel type d'objet le sang a-t-il été aspergé. D'accord? Quel type de vêtement, quel type d'ustensile? Nitaz ala or ad shelo hufshat eno taun kibus. Je crois que je vais traduire jusqu'au bout de la Mishnah et puis après on va faire de l'ordre. Littéralement, tel que c'est écrit, donc Nitaz ala or, le sang éclaboussé depuis, cette fois-ci, Nitaz ala or, le sang a éclaboussé sur la peau de l'animal, d'accord? J'avais égorgé l'animal, j'ai réceptionné le sang, et j'ai fait une mauvaise manipulation, le sang est tombé sur la peau de l'animal, d'accord? La peau, vous savez bien que la peau, une fois qu'on va dépecer l'animal, on va prendre les parts qui doivent revenir au Mizbeach, les parts qui doivent être consommées par les Kohanim, et bien la peau, elle appartient aussi aux Kohanim, ils la prennent, ils la mènent chez eux, ils font avec des chaussures ou tout objet en cuir qu'ils veulent, d'accord? Donc ça appartient aux Kohanim. De ce fait, lorsqu'ils récupèrent cette peau, il s'avère qu'il y a une belle tache de sang, c'était le sang du Khatat. C'est la problématique de la Mishnah. Faut-il laver ou non? La Mishnah m'enseigne. Si jamais Nitaz ala or, ad shelo ufshat, ça a été éclaboussé sur la peau de l'animal, ad shelo ufshat, tant que l'animal n'a pas été dépecé. Et notamment le kibous. Cette peau-là n'a pas besoin d'être lavée.
Par contre, Miché Houfchat, depuis le moment où on a dépecé l'animal, d'accord, on avait donc égorgé l'animal, on a réceptionné le sang. Entre-temps, il y a un Cohen qui est venu, il a déjà commencé à retirer toute la peau de l'animal. Et il l'a posé, et l'autre, tac, il a fait une mauvaise manipulation, il a fait tomber du sang sur la peau. La Mishnah m'enseigne, Taoun Kibous, eh bien il faudra laver l'animal à présent, il faudra laver la peau. Cette peau-là devrait être lavée. Divré Rabbi Yehuda, t'es l'avis de Rabbi Yehuda, tandis que Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, non, Af Miché Ufchat, et non Taoun Kibous. Même depuis le moment où la peau a été dépecée, retirée, elle ne requiert pas pour le moment d'être lavée. Je précise, jusqu'à qu'on en a fait un ustensile parfait, que l'on a coupé les bords, on a donné une forme à cette peau-là pour être utilisée telle qu'elle. Et on va expliquer bien sûr de quoi on parle précisément. Je vais juste expliquer pour le moment, préciser que d'après Abelézer, il a juste déplacé l'échéance. D'après Tanakama, on avait une différence. On va en fait décomposer les comme ça. Il y a la peau de l'animal tant qu'elle est encore sur l'animal. Une fois qu'on l'a... Ensuite, deuxième étape, lorsqu'on l'a dépecé. Troisième étape, c'est lorsqu'on va commencer à en faire un ustensile. Mais en fait, c'est la quatrième étape, parce qu'il y a peut-être une étape intermédiaire, c'est qu'il arrive parfois qu'on utilise la peau telle qu'elle en tant qu'ustensile. Je vais expliquer de quoi ça parle, ça touche à des notions de Touma Betahara. Ouais, pour le moment, retenez donc deux étapes, une troisième, qui est en fait la quatrième, avec une intermédiaire. Je reprends la peau de l'animal tant qu'elle est déposée, tant qu'elle est encore rattachée à la chair. Ensuite, on dépèce la bête. Pour le moment, c'est une peau à l'état brut. Ouais. Si toutefois, alors je fais tout de suite rentrer maintenant la troisième étape. Si toutefois je décide de l'utiliser telle qu'elle, c'est une troisième étape. Et quatrième étape, c'est lorsque j'ai ensuite, je lui ai donné une forme beaucoup plus propre. J'ai retiré les bouts qui n'étaient pas jolis pour donner une belle forme de peau pour être utilisée. D'accord ? Une peau d'animal, même à l'état brut, elle peut quand même servir. On peut s'en servir pour faire un fauteuil en cuir à l'état naturel avec la peau bien épaisse. C'était utilisé tel quel à l'époque, apparemment les gens se reposaient dessus, ça faisait une sorte de matelas. D'accord. Ça pour le moment, on laisse de côté la précision exacte, quelle est la discussion exacte entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda. Et non, Taoun Kibous, Ela Makom Adam, la Mishnah donne une conclusion. Maintenant, elle nous fait finalement, sache que ne requiert d'être lavé que Ela Makom Adam, que le lieu qui a été sali par le sang. C'est-à-dire, si j'avais un vêtement, j'ai pris une tache de sang sur la manche, eh ben, je devrais laver la manche, mais pas, n'est pas nécessaire de laver tout le vêtement. De même, Vedavar Shehura Uilekabel Touma, et quelque chose aussi qui est apte à recevoir la Touma, entre parenthèses, ça marche comme Rabbi Yehuda, le partenaire nous le dit, et pas comme Rabbi Eliezer, ça va être un élément important, et à part ça, Vera Uilekibus, et quelque chose qui est apte à être lavé, à exclure. Si ça tombe sur un ustensile en bois, il n'y aura pas besoin de prendre le morceau de bois et d'aller le laver. On pourra simplement le gratter. D'accord ? Maintenant, on va refaire un petit peu d'ordre avec les L'chot Touma V'Tahara et comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe. Quoi qu'il arrive, d'abord l'élément brut de base à connaître, c'est la différence entre les deux extrémités. Le cas où la peau elle est encore rattachée à la chair, et le cas où, là où on a fait un bel ustensile en cuir, on a coupé, on a pris toute cette peau-là, on a coupé les bords, vous savez bien quand on coupe, quand on va se mettre à découper la peau, on va récupérer, c'est comme quand on a séché des objets en cuir, il y a toujours ce sigle comme ça, là, ça ressemble un petit peu à la carte de France, en réalité c'est une manière de dire, c'est du cuir véritable, c'est la forme d'une peau quand on la dépaisse, imaginez que vous prenez un animal, une fois que vous l'avez coupé la tête, vous lui coupez les quatre pattes, et vous ouvrez vers le ventre, et vous retirez tout ce morceau-là, vous allez vous retrouver en fait avec une forme un petit peu, une sorte d'hexagone, un peu plus qu'hexagone, parce qu'en fait, ça va faire une forme comme ça, là où il y avait la tête, ça va faire comme ça, là où il y avait les pattes avant et arrière, et comme ça, ça c'est la peau de l'animal. Cette peau-là, elle peut être utilisée pour en faire un matelas, un fauteuil, se reposer dessus. Ça, maintenant, une chose de sûre, c'est que l'animal à l'état brut, même si on va récupérer la peau, pour le moment, cette peau ne peut pas recevoir la peau. Elle ne reçoit pas la touma. Elle ne peut pas, elle ne communique pas d'impureté. Elle ne devient pas elle-même impure, même si elle rentre en contact avec un mort. Pour quelle raison ? La Torah insiste
qu'il faut nécessairement être un kli, un ustensile pour recevoir la touma, ou quelque chose de consommable. C'est encore un autre sujet. Là, je parle pour le moment à ce quelque chose qui est un ustensile. Les objets. Il faut nécessairement un ustensile, quelque chose qui a un statut d'ustensile, utilisable, qui a une fonction. À la différence, quelque chose qui est à l'état brut, du sable, un morceau de bois en matière première qui n'a aucune forme pour le moment. Tant que la matière est encore à son état brut, sans avoir un statut de clé, d'ustensile, alors pour le moment, il ne communique pas la touma. D'accord ? Des pierres. Si maintenant tu vas prendre une pierre ou un morceau de bois, tu vas commencer à lui donner une forme, parce que tu veux l'utiliser pour une fonction bien particulière, là, tu vas le rendre un ustensile. Donc pour le moment, les deux extrêmes, c'est comme ça. Tant que l'objet, il a l'état brut parfaitement, il ne communique pas la touma. Une fois qu'il est devenu un vrai ustensile, il communique la touma. En rapport avec les lois de laver, alors c'est le même principe. Tant qu'il est encore à l'état brut, franchement, si du sang lui tombe dessus, il n'y aura pas de nécessité d'aller le laver parce que la Torah a insisté sur un kli. D'accord ? La Torah, elle a mentionné beged, un vêtement. Un vêtement, c'est quelque chose qui communique la touma, donc qui est déjà un ustensile. Donc, s'il a l'état brut, il n'y aura pas besoin de le laver. Une fois qu'il a été transformé en ustensile, il faudra le laver. La machloquette, maintenant, qu'il va y avoir entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer, va être une étape intermédiaire. Lorsque tu vas dépecer la bête, en théorie, tu prévois d'utiliser cette peau pour en faire des chaussures, donc elle est encore à l'état brut. Mais d'un autre côté, tu peux décider d'en faire un fauteuil. Alors là, on a quelque chose de très particulier. On a une matière première à l'état brut, que, avec ta simple marchava, avec ton intention de l'utiliser tel quel, tu vas le transformer en ustensile. Est-ce que le fait que cette matière-là que tu as devant toi, puisque ton intention peut la rendre apte à recevoir l'impureté, est-ce que ça va lui donner, par rapport aux lois du sang qui a été éclaboussé, un statut d'ustensile ? Rabbi Yehuda vient et me dit oui, et Rabbi Eliezer me dit non, il faut nécessairement un ustensile. Ça veut dire, si je veux expliquer mieux Rabbi Eliezer, alors ça ressort comme ça. Si toutefois tu as décidé de prendre cette peau et de la transformer en fauteuil, tel quel à l'état brut, mais c'est devenu un fauteuil, c'est devenu ton fauteuil, il a une tête bizarre, on a encore la tête de la vache qui vous fait un petit sourire, d'accord? Donc, pour le moment, t'en as fait un ustensile, ça reçoit la touma. Si ça reçoit la touma, le sang qui a été éclaboussé dessus, il faudra nécessairement laver la peau. Mais tant que la peau est encore à l'état brut, même si tu peux décider de le transformer en ustensile, de le rendre ustensile simplement par la marchava, ça ne suffit pas, selon Rabbi Eliezer, pour définir que tu as pour le moment un potentiel d'ustensile. Il faut un ustensile concret, pas un potentiel d'ustensile. Tandis que Rabbi Yehuda va te dire, non, puisque avec ta simple marchava, tu peux transformer cette peau-là en ustensile, donc il a le potentiel d'ustensile qu'il a, fait que désormais, si du sang est éclaboussé dessus, il faudra le laver. D'accord ? Et de ce fait, la fin de la Mishnah va que d'après Rabbi Yehuda. Je reprends la fin de la Mishnah, les trois phrases. Il y avait marqué « Enotan kibus elam akom adam » ne requiert d'être lavé que le lieu, l'endroit précis où le sang a été glaboussé. Pas la peine de laver tout le vêtement. C'était sur la manche, tu laves la manche. « Vedabar shiuraou il kabel touma » et quelque chose qui est apte à recevoir la touma. Pas un ustensile qui est déjà concrètement... qui est devenu un vrai ustensile, mais quelque chose qui est même apte par la marchava de venir recevoir la touma, communiquer la touma, donc ça fonctionne que d'après Rabbi Yehuda, d'accord? C'est comme ça que c'est expliqué dans le Bar Tenora. Verrouille le Kabel Touma, verrouille je me chosar marchava. D'accord? C'est expliqué comme ça. Vestama qui est Rabbi Yehuda. Et à part ça, quelque chose qui est raouille le kibous, qui est quelque chose de lavable, à exclure si c'est un ustensile en bois, tu grattes, ça suffit. J'avais une précision à vous apporter et je l'ai oublié. Comment on va faire? Je regarde, je reviens sur le début de la Mishnah, deux petites secondes. Nitaz ala tzavar ala beged, nitaz mina tzavar ala beged et notamun kibus, mina keren ou mina yesod et notamun kibus. Ah oui, ça y est, je me rappelle très bien. Très très bien. On parlait comme ça. Je reviens maintenant tout en arrière sur le début de la Mishnah, si vous voulez avoir plus de précision. Je vais enseigner une Mishnah vraie sans avoir menti en ayant tout dit. Donc je le fais, si vous comprenez pas, c'est pas grave. La Mishnah m'enseignait, le sang qui est en direction du Mizbéach, il rend impur. D'accord ? Maintenant, concrètement, le sang, même
Le Kohen Khatat, il faut donner 4 dons de sang sur les 4 coins. Le Kohen monte sur la rampe, il commence, il donne un coin, il va dans le coin, le deuxième, le troisième, le quatrième, et après il redescend et il verse sur le Yesod. Il y a quelque chose de particulier qui se passe dans le Kohen Khatat. Pour le Kohen Khatat, on avait appris que même donner une seule fois le sang sur le Keren, on s'acquitte de la mitzvah. Le Korban, il est déjà. On s'acquitte du devoir d'apporter le Korban. Les mitzvah minamouvra, pour bien faire la mitzvah, il faut bien donner les 4 noms. Donner 4 fois le sang sur les 4 coins. Mais même si on en a donné une seule fois, on s'est acquitté. D'après Bet Shammai, il y avait 2 fois. C'est un Perek Shlishi, je crois, il avait marqué Bet Shammai et Bet Hillel, Machloket. Selon Bet Hillel, un seul nom de sang du Khatat acquiert. Sauf qu'il y a une mitzvah de le donner 4 fois. Alors il faut savoir. Malgré tout, par rapport à cette halakha particulière du sang qui éclabousse, qui se fait éclabousser sur un vêtement, même si j'ai déjà donné une fois, deux fois et trois fois, malgré tout, puisqu'il y reste encore du sang qui est en direction du misbéar pour être aspergé sur les crânes à misbéar, sur les coins du misbéar, eh bien, ce sang-là, il faudra le laver s'il a touché un vêtement, même si en théorie, on s'est déjà acquitté d'apporter le korban khatat. D'accord? C'était juste la petite précision à rapporter. C'est rapporté dans le Barthénora. Regardez, vous chercherez, vous trouverez. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, vous sert.